Livre second, chapitre 1er, de l'inconstance de nos actions. Ceux qui s'exercent à contrôler, examiner, les actions humaines ne se trouvent en aucune partie si empêchés, si embarrassés, qu'à les rapiécer et mettre en même lustre, qu'à les réunir et rendre cohérentes. Car elles se contredisent communément de si étrange façon qu'il semble impossible qu'elles soient parties de même boutique. Le jeune Marius se trouve tantôt fils de Mars, tantôt fils de Vénus. Le pape Boniface VIIIe entra, dit-on, sa charge comme un renard, s'y porta comme un lion et mourut comme un chien. Et qui croirait que ce fût Néron, cette vraie image de la cruauté, comme on lui présentait à signer, suivant le style, suivant l'usage, la sentence d'un criminel condamné, qui eût répondu « Plût à Dieu que je n'eusse jamais su écrire », tant le cœur lui serrait de condamner un homme à mort. Tout est si plein de tels exemples, voire chacun en peut tant fournir à soi-même, que je trouve étrange de voir quelquefois des gens d'entendement se mettre en peine d'assortir ces pièces, vu que l'irrésolution me semble le plus commun et apparent vice de notre nature. Témoin ce fameux verset de Publius le farceur, « Malum consiliumst, quod mutari non potest ». C'est un mauvais projet que celui qu'on ne peut pas changer. Il y a quelque apparence, il peut sembler raisonnable, de faire jugement d'un homme par les plus communs traits de sa vie. Mais vu l'instabilité de nos mœurs et opinions, il m'a semblé souvent que les bons auteurs mêmes ont tort de s'opiniâtrer à former de nous une constante et solide contexture. Ils choisissent un air universel et, suivant cette image, vont rangeant et interprétant toutes les actions d'un personnage, et s'ils ne les peuvent assez tordre, les renvoient à la dissimulation. Celui que vous vîtes hier si aventureux, si intrépide, ne trouvez pas étrange de le voir aussi poltron le lendemain, où la colère, ou la nécessité, ou la compagnie, ou le vin, ou le son de la trompette lui avait mis le cœur au ventre. Ce n'est pas un cœur ainsi formé par discours, par réflexion. Ces circonstances le lui ont fermi. Ce n'est pas merveille si le voilà devenu autre par autre circonstance contraire. Cette variation et contradiction qui se voit en nous, si souple, a fait qu'aucun, que certains, nous songent deux âmes, d'autres, deux puissances qui nous accompagnent et agitent chacune à sa mode, vers le bien l'une, l'autre vers le mal, une si brusque diversité ne se pouvant bien assortir à un sujet simple. Non seulement le vent des accidents me remue selon son inclination, mais en outre je me remue et trouble moi-même par l'instabilité de ma posture, et qui regarde primement, attentivement, ne se trouve guère deux fois en même état. Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon le côté où je la couche. Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent, selon quelque tour et en quelque façon. Honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, véritable, savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue. Tout cela, je le vois en moi aucunement selon que je me vire. Et quiconque s'étudie bien attentivement trouve en soi, voire et son jugement même, cette volubilité et discordance. Je n'ai rien à dire de moi entièrement, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot. Distingo est le plus universel membre de ma logique. Chapitre 8 de l'affection des pères aux enfants. Je ne puis recevoir cette passion de quand on embrasse les enfants à peine nés, que l'on éprouve pour les enfants à peine nés, n'ayant ni mouvement dans l'âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas souffert volontiers nourrir près de moi. Une vraie affection, et bien réglée, devrait naître et s'augmenter avec la connaissance qu'ils nous donnent d'eux. Et lors, s'ils le valent, la propension naturelle marchant quand et quand la raison, en même temps que la raison, les chérir d'une amitié vraiment paternelle, et en juger de même s'ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle. Il en va fort souvent au rebours, et le plus communément, nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous le faisons après, de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes. Et tel fournit bien libéralement de jouets à leur enfance, qui se trouvent resserrés à la moindre dépense qu'il leur faut étant en âge. Voir, il semble que la jalousie que nous avons de les voir paraître et jouir du monde, quand nous sommes à même de le quitter, nous rendent plus épargnants et restreints envers eux. Ils nous fâchent qu'ils nous marchent sur les talons, comme pour nous solliciter de sortir. Et si nous avions à craindre cela, puisque l'ordre des choses porte qu'ils ne peuvent, à dire vérité, être ni vivre qu'aux dépens de notre être et de notre vie, nous ne devions pas nous mêler d'être pères. Quant à moi, je trouve que c'est cruauté et injustice de ne les recevoir au partage et société de nos biens, et compagnons en intelligence de nos affaires domestiques, quand ils en sont capables, et de ne retrancher et resserrer nos commodités pour pourvoir aux leurs, puisque nous les avons engendrés à cet effet. C'est injustice de voir qu'un père vieil, cassé et demi-mort, jouissent seuls à un coin du foyer des biens qui suffiraient à l'avancement et entretien de plusieurs enfants, et qu'ils les laissent cependant, par faute de moyens, perdre leurs meilleures années sans se pousser au service public et connaissance des hommes. On les jette au désespoir de chercher par quelque voie, pour injuste qu'elle soit, à pourvoir à leurs besoins. J'essaierai, par une douce conversation, une douce compagnie, de nourrir en mes enfants une vive amitié et bienveillance, non feinte, en mon endroit, ce qu'on gagne aisément envers des natures bien nées. Car si ce sont bêtes furieuses, comme notre siècle en produit à milliers, il les faut haïr et fuir telles. Je veux mal à cette coutume d'interdire aux enfants l'appellation paternelle et leur enjoindre une étrangère comme plus révérentielle, nature n'ayant volontiers pas suffisamment pourvu à notre autorité. Nous appelons Dieu Tout-Puissant « Père » et dédaignons que nos enfants nous en appellent. J'ai réformé cette erreur en ma famille. C'est aussi folie et injustice de priver les enfants qui sont en âge de la familiarité des pères et vouloir maintenir en leur endroit une morgue austère et dédaigneuse, espérant par là les tenir en crainte et obéissance. Car c'est une farce très inutile, qui rend les pères ennuyeux aux enfants, et qui, pis est, ridicule. Ils ont la jeunesse et les forces en main, et par conséquent le vent et la faveur du monde, et reçoivent avec moquerie ces mines fières et tyranniques d'un homme qui n'a plus de sang, ni au cœur, ni aux veines, vrais épouvantails de Chennevières. Quand je pourrais me faire craindre, j'aimerais encore mieux me faire aimer. Il y a tant de sortes de défauts en la vieillesse, tant d'impuissance, elle est si propre au mépris, que le meilleur acquet qu'elle puisse faire, c'est l'affection et amour des siens. Le commandement et la crainte, ce ne sont plus ses armes. J'en ai vu quelqu'un duquel la jeunesse avait été très impérieuse. Quand c'est venu sur l'âge, quoiqu'il le passe sainement ce qui se peut, il frappe, il mord, il jure. Le plus tempestatif maître de France, il se ronge de soins et de vigilance. Tout cela n'est que batelage auquel la famille même complote. Du grenier, du cellier, voire et de sa bourse, d'autres ont la meilleure part de l'usage, cependant qu'il en a les clés en sa gypsière plus chèrement que ses yeux. Cependant qu'il se contente de l'épargne et chicheté de sa table, tout est en débauche en divers réduits de sa maison, en jeu et en dépenses, et en l'entretien des comptes de sa vaine colère et pourvoyance. Chacun est en sentinelle contre lui. Si, par fortune, quelque chétif serviteur s'y adonne, s'attache à lui, soudain il lui est mis en soupçon, qualité à laquelle la vieillesse mord si volontiers de soi-même. Quante fois s'est-il vanté à moi de la bride qu'il donnait aux siens, et exacte obéissance et révérence qu'il en recevait? Combien il voyait clair en ses affaires! Ille solus nescit omnia. Lui seul ignore tout. Je ne sache homme qui pût apporter plus de parties, qualités, et naturelles et acquises, propres à conserver la maîtrise, qu'il fait, et si on est déchu comme un enfant, et pourtant on est déchu comme un enfant. Partant, l'ai-je choisi parmi plusieurs telles conditions que je connais, comme plus exemplaires. Ce serait matière à une question scolastique, s'il est ainsi mieux, ou autrement. En présence, toute chose lui cède, et on laisse ce vain cours à son autorité qu'on ne lui résiste jamais. On le croit, on le craint, on le respecte tout son sou. Donne-t-il congé à un valet, il plie son paquet, le voilà parti. Mais horde devant lui seulement. Les pas de la vieillesse sont si lents, les sens si troubles, qu'il vivra et fera son office en même maison, 1 an, sans être aperçu. Et, quand la saison en est, on fait venir des lettres lointaines, piteuses, suppliantes, pleines de promesses de mieux faire, par où on le remet en grâce. Monsieur fait-il quelque marché ou quelque dépêche qui déplaise? On le supprime, forgeant tantôt après assez de causes pour excuser la faute d'exécution ou de réponse. Nulle lettre étrangère ne lui étant premièrement apportée, il ne voit que celle qui semble commode à sa science. Si, par cas d'aventure, il les saisit, ayant en coutume de se reposer sur certaines personnes de les lui lire, on y trouve sur le champ ce qu'on veut, et fait-on à tout coup que tel lui demande pardon, qu'il injurie par même lettre. Il ne voit enfin ses affaires que par une image disposée et dessaignée, arrangée et faite à dessein, et satisfactoire le plus qu'on peut, pour n'éveiller son chagrin et son courroux. Feu monsieur le maréchal de Montluc, ayant perdu son fils, qui mourut en l'île de Madère, brave gentilhomme à la vérité et de grande espérance, me faisait fort valoir entre ses regrets le déplaisir et crève-cœur qu'il sentait de ne s'être jamais communiqué à lui. Et sur cette humeur d'une gravité et grimace paternelle, avoir perdu la commodité de goûter et bien connaître son fils, et aussi de lui déclarer l'extrême amitié qu'il lui portait, et le digne jugement qu'il faisait de sa vertu. Et ce pauvre garçon, disait-il, n'a rien vu de moi qu'une contenance renfrognée et pleine de mépris, et a emporté cette créance que je n'ai su ni l'aimer ni l'estimer selon son mérite. À qui gardais-je à découvrir cette singulière affection que je lui portais dans mon âme? Était-ce pas lui qui en devait avoir tout le plaisir et toute l'obligation? Je me suis contraint et gêné pour maintenir ce vain masque, et y ai perdu le plaisir de sa conversation et sa volonté quand et quand, qu'il ne me peut avoir porté autre que bien froide, n'ayant jamais reçu de moi que rudesse, ni senti qu'une façon tyrannique. Je trouve que cette plainte était bien prise et raisonnable, car comme je sais par une trop certaine expérience, il n'est aucune si douce consolation à la perte de nos amis, que celle que nous apporte la science de n'avoir rien oublié à leur dire et d'avoir eu avec eux une parfaite et entière communication. Chapitre 11 de la cruauté. Je vois que plusieurs vertus, comme la chasteté, sobriété et tempérance, peuvent arriver à nous par défaillance corporelle. La fermeté au danger, si fermeté il la faut appeler, le mépris de la mort, la patience aux infortunes, peut venir et se trouve souvent aux hommes par faute de bien juger de tels accidents et ne les concevoir tels qu'ils sont. La faute d'appréciation et la bêtise contrefont ainsi parfois les effets vertueux. Comme j'ai vu souvent advenir qu'on a loué des hommes de ce de quoi ils méritaient du blâme. Un seigneur italien tenait une fois ce propos en ma présence, au désavantage de sa nation, que la subtilité des Italiens et la vivacité de leur conception étaient si grandes qu'ils prévoyaient les dangers et accidents qui leur pouvaient advenir, de si loin qu'il ne fallait pas trouver étrange, si on les voyait souvent à la guerre, pour voir à leur sûreté, voir avant que d'avoir reconnu le péril. Que nous et les Espagnols, qui n'étions pas si fins, allions plus outre et qu'il nous fallait faire voir à l'œil et toucher à la main le danger avant que de nous en effrayer, et que lors aussi nous n'avions plus de tenue. Mais que les Allemands et les Suisses, plus grossiers et plus lourds, n'avaient le sens de se raviser, à peine lors même qu'ils étaient accablés sous les coups. Ce n'était à l'aventure que pour rire. Si est-il bien vrai qu'au métier de la guerre, les apprentis se jettent bien souvent au danger, d'autres inconsidérations, avec une autre indifférence, qu'ils ne font après y avoir été échaudés. Voilà pourquoi, quand on juge d'une action particulière, il faut considérer plusieurs circonstances, et l'homme tout entier qui l'a produite avant de la baptiser. Chapitre 12. Apologie de Raymond de Sebonde. La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme, et quand, en même temps, la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici parmi la bourbe et le fiant du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis, et le plus éloigné de la voûte céleste, avec les animaux de la pire condition des trois, et se va plantant par imagination au-dessus du cercle de la lune et ramenant le ciel sous ses pieds. C'est par vanité de cette même imagination qu'il s'égale à Dieu, qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il se trie soi-même et sépare de la presse des autres créatures, taille les parts aux animaux, ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de facultés et de forces que bon lui semble. Comment connaît-il, par l'effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux? Par quelle comparaison d'eux à nous conclut-il la bêtise qu'il leur attribue? Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi, plus que je ne fais d'elle? En certains aboyés du chien, le cheval connaît qu'il y a de la colère. De certaines autres siennes voix, il ne s'effraie point. Aux bêtes même qui n'ont pas de voix, par la société d'office que nous voyons en elles, nous argumentons aisément quelque autre moyen de communication. Leurs mouvements discourent et traitent. Pourquoi non? Tout aussi bien que nos muets disputent, argumentent et content des histoires par signes. J'en ai vu de si souples et formés à cela qu'à la vérité, il ne leur manquait rien à la perfection de se savoir faire entendre. Les amoureux se courroucent, se réconcilient, se prient, se remercient, s'assignent et disent enfin toute chose des yeux. Et il silenzio ancor suole aver prieghi e parole. Et le silence encore, c'est d'ordinaire prier et parler. Quoi des mains? Nous requérons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, craignons, vergognons, doutons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, témoignons, accusons, condamnons, absolvons, Injurions, méprisons, défions, dépitons, flattons, applaudissons, bénissons, humilions, moquons, réconcilions, recommandons. Exaltons, festoyons, réjouissons, complaignons, attristons, déconfortons, désespérons, étonnons, écrions, taisons. Et quoi non? D'une variation et multiplication à l'envi de la langue. De la tête, nous convions, nous renvoyons, avouons, désavouons, démentons, bienvenions, honorons, vénérons, dédaignons. Demandons et conduisons, égayons, lamentons, caressons, tensons, soumettons, bravons, exhortons, menaçons, assurons, enquérons. Quoi des sourcils? Quoi des épaules? Il n'est mouvement qui ne parle, et un langage intelligible, sans discipline, sans enseignement, et un langage public, compréhensible par tous, qui fait, voyant la variété et usage distingués des autres, que cet ici doit plutôt être jugé le propre de l'humaine nature. Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés, qui soit suspendu au haut des tours Notre-Dame de Paris, il verra, par raison évidente, qu'il est impossible qu'il en tombe, et si, pourtant, ne se saurait garder, s'il n'a accoutumé le métier de couvreur, que la vue de cette hauteur extrême ne l'épouvante et ne le transisse. Car nous avons assez à faire de nous assurer aux galeries qui sont en nos clochers, si elles sont façonnées à jour, encore qu'elles soient de pierre. Il y en a qui n'en peuvent pas seulement porter la pensée. Qu'on jette une poutre entre ces deux tours, d'une grosseur telle qu'il nous la faut à nous promener dessus. Il n'y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher comme nous ferions si elle était à terre. J'ai souvent essayé cela, éprouvé cela en nos montagnes de deçà, et si suis de ceux qui ne s'effraient que médiocrement de telles choses, que je ne pouvais souffrir la vue de cette profondeur infinie sans horreur et tremblement de jarrets et de cuisses, encore qu'il s'en fallut bien ma longueur que je ne fusse du tout au bord, et n'eusse su choir si je ne me fusse porté à escient au danger. J'y remarquais aussi, quelque hauteur qu'il y eût, pourvu qu'en cette pente il s'y présente à un arbre ou bosse de rocher pour soutenir un peu la vue et la diviser, que cela nous allège et donne assurance, comme si c'était chose de quoi à la chute nous pussions recevoir secours. Mais que les précipices coupés et unis, nous ne les pouvons pas seulement regarder sans tournoiement de tête, qui est une évidente imposture de la vue. Ce fut pourquoi ce beau philosophe se creva les yeux pour décharger l'âme de la débauche qu'elle en recevait, et pouvoir philosopher plus en liberté. Mais à ce compte, il se devait aussi faire étouffer les oreilles, que Théophras dit être le plus dangereux instrument que nous ayons pour recevoir des impressions violentes à nous troubler et changer, et se devait priver enfin de tous les autres sens, c'est-à-dire de son être et de sa vie, car ils ont tous cette puissance de commander notre discours et notre âme. Cette même piperie que les sens apportent à notre entendement, ils la reçoivent à leur tour. Notre âme parfois s'en revanche d'eux-mêmes. Ils mentent et se trompent à l'envi. Chapitre 13. De juger de la mort d'autrui. Quand nous jugeons de l'assurance d'autrui en la mort, qui est sans doute la plus remarquable action de la vie humaine, il se faut prendre garde d'une chose, que malaisément on croit être arrivé à ce point. Peu de gens meurent résolus, assurés, que ce soit leur heure dernière, et n'est endroit où la piperie de l'espérance nous amuse plus, où la fausse espérance nous trompe davantage. Elle ne cesse de corner aux oreilles. D'autres ont bien été plus malades sans mourir, l'affaire n'est pas si désespérée qu'on pense, et au pis-aller, Dieu a bien fait d'autres miracles. Et advient cela de ce que nous faisons trop de cas de nous, il semble que l'université des choses souffre aucunement de notre anéantissement et qu'elle soit compassionnée à notre état. D'autant que notre vue altérée se représente les choses d'eux-mêmes et nous est avis qu'elle lui faille à mesure qu'elle leur faut, comme ceux qui voyagent en mer, à qui les montagnes, les campagnes, les villes, le ciel et la terre vont même branle, et quand eux, en même temps qu'eux. Qui vit jamais vieillesse qui ne loua le temps passé et ne blâma le présent, chargeant le monde et les mœurs des hommes de sa misère et de son chagrin? Nous entraînons tout avec nous. D'où il s'ensuit que nous estimons grande chose notre mort et qui ne passe pas si aisément ni sans solenne consultation des astres. Et le pensons d'autant plus que plus nous nous prisons. Comment tant de science se perdrait-elle avec tant de dommages sans particulier souci des destinées? Une âme si rare et exemplaire ne coûte-t-elle non plus à tuer qu'une âme populaire et inutile? Cette vie qui en couvre tant d'autres, de qui tant d'autres vies dépendent, qui occupe tant de monde par son usage, remplit tant de places, se déplace-t-elle comme celle qui tient à son simple nœud? Nul de nous ne pense n'être qu'un. Chapitre 20. Nous ne goûtons rien de pur. Des plaisirs et biens que nous avons, il n'en est aucun exempt de quelque mélange de mal et d'incommodité. Notre extrême volupté a quelque air de gémissement et de plainte. Diriez-vous pas qu'elle se meurt d'angoisse? Voir quand nous en forgeons l'image en son excellence, nous la fardons d'épithètes et qualités maladives et douloureuses, langueur, mollesse, faiblesse, défaillance, morbidezza, grand témoignage de leur consanguinité et consubstantialité. La profonde joie a plus de sévérité que de gaieté. L'extrême et plein contentement, plus de rassis que d'enjoué. Ipsa felicitas, se nisi temperat premit. La joie même, si elle ne se modère, oppresse. L'aise nous marche, nous blesse. C'est ce que dit un verset grec ancien de tel sens. Les dieux nous vendent tous les biens qu'ils nous donnent, c'est-à-dire ils ne nous en donnent aucun pur et parfait, et que nous n'achetions au prix de quelque mal. Le travail et le plaisir, la peine et le plaisir, très dissemblables de nature, s'associent pourtant de je ne sais quelle jointure naturelle. Socrate dit que quelque dieu essaya de mettre en masse et confondre la douleur et la volupté, mais que n'en pouvant sortir, il s'avisa de les accoupler, au moins par la queue. Métrodorus disait qu'en la tristesse, il y a quelque alliage de plaisir. Je ne sais s'il voulait dire autre chose, mais moi j'imagine bien qu'il y a du dessein, du consentement et de la complaisance à se nourrir en la mélancolie. Je dis, outre l'ambition qui s'y peut encore mêler, il y a quelque ombre de friandise et délicatesse qui nous rit et qui nous flatte au giron même de la mélancolie. Y a-t-il pas des complexions qui en font leur aliment? Est quaedam flere voluptas? Il y a quelque volupté à pleurer. Et, dit Attalus en Sénèque, que la mémoire de nos amis perdus nous agrée comme la mer au vin trop vieux, et comme des pommes doucement aigres. Nature nous découvre cette confusion. Les peintres tiennent que les mouvements et plis du visage qui servent au pleurer servent aussi au rire. De vrai, avant que l'un ou l'autre soit achevé d'exprimer, regardez à la conduite de la peinture. Vous êtes en doute vers lequel c'est qu'on va. Et l'extrémité du rire se mêle aux larmes.